c'est chaud dans l'épingle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Mode à la Mode. On est aujourd'hui en compagnie de la version 2.0 du mode ACFL 2017. Je remercie d'ailleurs son développeur pour me l'avoir envoyé. Et on va faire un petit point ensemble sur les mises à jour de ce qui est pour moi le meilleur mode F1 2017 sur Assetto avec la version hybride qui n'est pas, elle, hop, officielle. On est avec Kimi Raikkonen au Nürburgring. Dans le peloton, on va faire quelques courses de 2-3 tours ensemble. J'essaie de vous montrer une fois de plus la vue on board et la vue est télévisée. Attention pour l'épingle du fond, on bloque les roues, on passe en 3, un petit peu de gravier. C'est pas grave, ça passe, on va aller remonter maintenant vers le S Schumacher. Ça passe très très fort avec CF1 2017. Alors, la version 2.0, pas mal de nouveautés. On peut déjà en voir une grande ensemble en caméra embarquée, bien sûr, sur l'Arso. C'est la révision du dashboard. Alors évidemment, ça n'est pas ce qui est venu entre la version 1.5 et 2.0, celle à laquelle on avait eu droit à l'époque était la 1.0 sur Assetto. D'ailleurs, le mode était actuellement en bêta aussi sur R Factor 2. Allez, en deuxième, on essaie de passer très vite. Alors, il y a eu pas mal de corrections apportées par les retours de la communauté et par l'évolution du championnat de Formule 1 en lui-même à ce mode. On va les énumérer évidemment tout au long de cette vidéo, mais on ne va pas perdre de temps non plus avec les petits coups de raquette. Alors, ça s'annonce assez sympathique en tout cas. La chose que l'on peut constater, c'est qu'au niveau du comportement des voitures, il y a un réel renouveau de l'effet aéro, on va dire ça comme ça. En tout cas, le comportement des voitures est beaucoup moins hard, beaucoup moins violent, beaucoup moins extrême. Et je pense que ça va peut-être décevoir certains qui préfèrent un comportement compliqué. Moi, j'aime bien quand c'est pas non plus inconduisible. Et là, on a vraiment un compromis beaucoup plus agréable, je pense, pour bon nombre de joueurs. Toujours la descente incroyable. Allez, on redescend vers l'épingle. Puis à fond, ça passe très très vite. C'est vraiment un bonheur. Alors, la chose que l'on va pouvoir constater, c'est l'amélioration du son moteur également. Le son moteur qui a été entièrement refait, revu de A à Z, que ce soit le bloc Honda, Renault, Ferrari ou Mercedes, ils ont tous été changés par cette version 2.0. Vous allez pouvoir en profiter. D'ailleurs, si vous souhaitez vous rendre compte de l'évolution de tout cela, il y aura d'ici quelques jours, pas tout de suite, mais dans 4-5 jours, eh bien, un onboard qui sera produit avec, je ne sais pas encore quel modèle, mais pour que vous puissiez apprécier le son et surtout l'ambiance qui règne dans ces cockpits. Évidemment, le DRS est toujours disponible et activable, tout comme l'ERS. D'ailleurs, en parlant de ça, la traînée aérodynamique a été complètement revue avec le modèle 3D. Et surtout, eh bien, il y a beaucoup moins d'effet au DRS. Hein. Hop, on est resté un peu accroché là-haut. Au vibreur, on entame le troisième et dernier tour. Donc, effectivement, il y a eu pas mal de changements au niveau de la physique, au niveau de l'aérodynamisme et du comportement de la voiture. Et tous les points que je viens de vous évoquer ont évolué de manière positive. Donc ça, c'est plutôt cool. On a quelque chose de beaucoup plus souple et de beaucoup plus homogène dans le comportement. Alors qu'ici, on est en troisième. On a tellement de couples qu'on arrive à revenir sur la Renault. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais l'IA est avec une agressivité, je crois, à 3 ou à 6 de ranking. Et surtout, on a une IA au niveau 93. Pas 95 ou 98, IA 93. Comme ça, je peux essayer de me bagarrer tout en vous parlant. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire avec Jolyon Palmer. On va essayer peut-être d'aller plonger à l'épingle. Allez, on freine. On ne bloque pas les roues. Allez, Joalon Palmé qui reste devant. On va voir si on peut le réattaquer peut-être. Attention avant le S Schumacher. On est à l'aspiration de la Renault. Alors, ce sont des courses sans qualification, évidemment. Donc, on est parti un petit peu en mode random. Allez, Joalon à l'intérieur peut-être. Non, on va se raviser et on va éviter de se mettre dedans. Bah, écoutez, on va terminer cette première course ici au Nürburgring. En tout cas, la Ferrari a de très, très bonnes sensations dans son comportement. La hiérarchie est bien respectée de nouveau. Et on se retourne directement vers un souvenir récent pour la deuxième course. Je pense qu'on va aller retrouver un certain pilote français qui avait animé les débats du côté du circuit, Gilles Villeneuve, si vous voyez ce que je veux dire.
Et c'est parti, le départ de cette nouvelle course ici. Trois petits tours sur le circuit Gilles Villeneuve. On met deux roues dans l'herbe. Attention au freinage, à ne pas aller percuter notre équipier Sergio Pérez. On risquerait de l'énerver. On retrouve donc Esteban Ocon ici en caméra embarquée. On va faire un petit tour ensemble du propriétaire avec les informations importantes à vous communiquer, surtout sur les nouveautés 3D, parce que beaucoup de voitures ont été ajustées, corrigées par rapport à ce qui était disponible dans les versions précédentes, mais surtout on a eu une remodélisation complète de voitures telles que cette Force India, la Sauber ou la Mercedes, qui d'ailleurs dispose de son nouveau museau, son nouveau nez beaucoup plus agressif depuis le Grand Prix de Bakou. Les sponsors et les casques ont aussi été mis à jour dans leur dessin. Attention à l'intérieur, on avait vu dans l'angle mort Hamilton qui essayait de se faufiler. Il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été retravaillées, et une fois de plus c'est le souci du détail. Attention à l'épingle, est-ce qu'on peut aller chercher? C'était chaud. Allez, la Toro Rosso, la réaccélération avec le DRS. Donc je vous le disais, le DRS qui a eu une réduction d'effet, c'est un peu moins cheaté. Allez, on se retrouve, tiens, comme par hasard, derrière Perez et Vettel. Il y a aussi Massa qui traîne, on efface notre coéquipier. Attention, parce que Perez pourrait recroiser. Oh, dans la chicane! Attention de ne pas aller le toucher, on va rester bien sagement derrière, on va le revoir de toute façon. Alors évidemment, les voitures ont été également remises à jour au niveau des skins, je ne l'ai pas encore évoqué. Allez! Au niveau des skins, on a désormais les noms des pilotes et les numéros affichés, comme ça a été demandé par la FIA aux pilotes depuis, je crois, le Grand Prix de Russie, si ma mémoire ne me fait pas défaut, où on avait des numéros et des noms de pilotes trop peu visibles pour le public. Donc ça a été corrigé, et ça aussi c'est très agréable d'avoir des voitures qui correspondent au look qu'elles ont actuellement en piste. Donc c'est tenu à jour. Je rappelle que c'est un mode payant, alors je ne l'ai peut-être pas précisé, mais le mode ACFL est payant. Vous pourrez d'ailleurs le retrouver dans la description si vous souhaitez l'acquérir. Allez, on attaque à l'intérieur. Perez, hein, rien à faire. Oh, c'est tard, on s'est peut-être touché un peu. On a fait du frotti-frotta avec les pneus de notre ami mexicain. Allez, on va arriver vers le fond et l'épingle. Hop, et on est touché, on est poussé, on a été poussé par une voiture. Je dirais que c'est Carlos Sainz, je pense. Allez, l'attaque ici, l'ouverture du DRS. Alors évidemment, sauf sur les circuits officiels du jeu, les circuits modés vous autorisent le DRS un petit peu partout. Hein. Donc c'est un petit peu différent. Par exemple, si vous allez sur le circuit officiel de Spa ou du... Hop, avec Vettel en Autriche du Hungaroring, vous allez avoir évidemment les zones DRS officielles sur les monoplaces. Mais ici, par contre, c'est un petit peu à volo. On appréciera également le renouveau du tableau de bord avec un tout nouveau dashboard. Et ça a été aussi voté par la communauté. C'est-à-dire que sur la page Facebook d'ACFL, que je vous linkerai également en description, eh bien, il y a parfois des sondages, des questions qui sont posées aux utilisateurs et aux acheteurs du mode. Bon, Perez qui nous fait une petite frayeur. Pour voir si, eh bien, pourquoi pas, vous aussi, vous avez votre avis à donner. Et je trouve ça vraiment cool d'impliquer la communauté. Alors évidemment, c'est fait par un Français, hein, surtout. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que c'est français ce mode ACFL. Et ils ont déjà sévi plusieurs fois dans Assetto Corsa, on se rappelle. Hein, je vous avais présenté des R8 Gordini, des Renault 5 Turbo, il y avait aussi des DS Rally. Ils ont fait quelques pistes, mais surtout ACFL, c'est ce mode F1 2016 qui est dispo et qui est déjà génial. Et alors ici, on a vraiment un tout autre niveau. Les As, vous le voyez, sont désormais grises comme elles le sont depuis, je crois, Monaco. Et non plus rouges. Allez, la réaccélération à la bagarre ici. C'est d'aller déboîter sur la gauche. À l'extérieur face au Français Romain Grosjean. Allez, duel franco-suisse, on va l'appeler comme ça. Monégasco-franco-suisse, on va dire ça ainsi. Allez, on complète la chicane. Et ça passe. Alors, actuellement, je roule avec un contrôleur de stabilité à 25%, mais je n'ai pas d'antipatinage ni d'ABS. Et vous voyez que c'est tout à fait gérable. Attention, on est à 4 de front ici dans l'épingle avec Stoffel, avec Esteban, ça passe. Allez, le départ de cette troisième et dernière course dans ce nouvel épisode donc du mode à la mode, avec cette fois-ci la Red Bull de Daniel Ricciardo, dernier vainqueur en Grand Prix, avec ce Grand Prix de Bakou absolument fou à l'heure où je tourne cette vidéo, bien entendu. On est en plein week-end du Grand Prix
Autriche. On sera toujours de toute façon chez Red Bull. Et voilà, il y a pas mal de... Et c'est chaud, la réaccélération, on est dans le gravier, on revient. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été bien remises à niveau, notamment les IA. Blocage droit, on va faire l'extérieur sur Verstappen, on la perd. Je crois qu'on est allé toucher Verstappen, là, c'est pas passé loin. Mais en tout cas, ce qui est agréable, c'est qu'aussi, là, bon, il n'y a pas de qualification. Hein, on est vraiment en pure et dure course random. Donc la grille est faite un peu à l'arrache. Mais ça reste quand même sympa. Alors il y a des skins supplémentaires aussi qui sont disponibles. Vous allez sans doute apercevoir un skin ou deux skins Jaguar qui traînent peut-être dans l'une ou l'autre vidéo avec l'équipe Toro Rosso qui a donc un skin historique. Il y a également des skins chez Williams, etc. Donc c'est plutôt cool et on sent que c'est fait par des passionnés. Alors, faut-il l'acheter? C'est toujours la question. Est-ce que ça vaut son prix? Eh bien, évidemment, vous avez la fameuse France coupée en deux. D'un côté, certains vous diront « Oui, mais le modding, c'est de la passion, c'est gratuit. » Et de l'autre, vous diront « Eh bien, le modding, c'est du temps, c'est du travail. » Et donc, ça doit être rémunéré. Je ne suis d'habitude pas d'avis à payer un contenu modé, mais quand celui-ci est de qualité, il faut récompenser le travail. Et j'estime que le prix demandé, qui je crois doit être 5 euros, quelque chose comme ça. Un petit souci là à l'épingle. Le prix demandé par les modeurs n'est pas excessif pour ce que c'est et ça vaut vraiment le prix. Alors évidemment, il n'y a pas de track pack, vous n'avez que le pack de voitures, mais je préfère avoir des circuits un peu random, pas trop bien faits, mais des voitures qui se tiennent équilibrées avec une bonne IA et une bonne physique plutôt qu'autre chose. Donc là, pour le coup, vous en avez pour votre argent et c'est vraiment positif. Je vais me taire pendant quelques secondes et je vais vous laisser profiter d'une vue embarquée et vue TV de ce moteur Renault rebadgé Tag Heuer ici avec et Daniel Ricciardo. Et bien voilà, c'est ici que l'on va refermer la découverte de ce mode ACFL version 2.0. N'hésitez pas, si vous avez des questions, et bien à vous exprimer en commentaire. N'hésitez pas non plus à contacter l'équipe des modeurs. Hein, on le sait, Olivier est toujours présent pour essayer de vous répondre. Et je le remercie de m'avoir de nouveau permis de vous présenter ce mode et bien gratuitement. Il faut le dire tout simplement, il m'a envoyé le mode. Merci à lui. Cette petite vidéo, j'espère, vous aura un peu plus éclairé sur l'évolution du mode. Je rappelle aussi que si vous achetez la version 2.0 du mode et qu'il y a une 2.5 ou 3 qui sort, ce qui sera d'ailleurs le cas en fin de saison, c'est ce qu'il avait annoncé, la version finale sort généralement pour la fin d'année, eh bien ne vous inquiétez pas, vous avez droit aux mises à jour gratuitement. Il vous suffit de désinstaller et de réinstaller le mode. Autre détail que je n'ai pas encore évoqué avant de refermer cette vidéo, eh bien il s'agit de la possibilité de changer la couleur des flancs de pneus. Ça n'influe pas sur la performance, mais vous pouvez avoir les gommes ultra tendres, super tendres, tendres ou médium ou hard. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Merci à toutes et à tous de votre présence et de votre fidélité à cette chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, je vous souhaite un bon amusement en piste, quelle que soit votre simulation favorite. À la prochaine les amis, salut! We'll be right back.